Salut à tous. Il a démarré par la Formule 1, puis par le football espagnol. Il est aujourd'hui la voix du rugby à Canal+. Le stade qui est derrière moi, Jean Bouin, fait partie de l'une de ses maisons. C'est d'ailleurs le cas partout, en top 14 et en Pro D2. Il est donc normal qu'Eric Bale soit dans Pressentiment. Top générique. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Ça commence bien. Ouais, déjà un doublon. C'est ça. Nous sommes extrêmement heureux de ton accueil ici dans ton bureau, puisqu'on peut dire que c'est ici finalement que tu passes beaucoup de temps ou peu de temps. Ah non, beaucoup de temps. La porte est toujours ouverte. Il n'y a pas de jeu de mots là. Pour discuter avec les gens de la rédaction, mais j'y passe pas mal de temps. Ouais. Pressentiment spécial avec Eric Bale de Canal+, mais comme tes homologues, la règle est la même. Une question vache. Je vais te proposer, s'il te plaît, de choisir celle que tu veux, l'enveloppe que tu veux. Grande hésitation. Et de bien vouloir lire la question sans donner la réponse, puisque ça permettra à chacune et chacun d'y réfléchir. En rugby, quel est l'animal représenté sur l'écusson argentin? Ouais, tu sens qu'il y a un piège ou pas? Il y a un piège. On respire et on se retrouve avec la première série de questions d'Eric Bale. A tout de suite. Eric, première question, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner ton numéro de carte de presse? 57-839, ce qui me classe parmi, vraisemblablement, les ancêtres de cette profession. En activité aujourd'hui. Oui, je te demande pas depuis combien de temps tu es journaliste, mais ça fait quelques années. Oui, j'ai dû avoir la carte de presse en 1985 ou 1986, au sortir de mon école de journalisme. Bon, je n'étais pas né. Ça commence mal. Est-ce que tu supportes un club en France? Et si oui, lequel? Un club de rugby? Oui. Oui, je suis depuis ma plus tendre enfance supporter de l'Aviron Bayonnais, qui est le club de ma ville, Bayonne, où j'ai été licencié de nombreuses années dans toutes les catégories, rugby, foot, athlétisme, aviron, cyclisme. Et j'étais au stade, je devais avoir 5 ans, donc depuis, on peut dire, à peu près 50 ans, je suis supporter de l'Aviron Bayonnais, je le dis avec fierté. Est-ce que tu as un mentor ou est-ce qu'il y a un événement qui a déclenché ton avis de faire ce métier? Oh ben c'est très simple. Moi, mon père était journaliste à Sud-Ouest. Il s'occupait beaucoup de sport à une époque. Et il avait notamment couvert la fameuse finale d'Aix-Mont-de-Marsan de 1963, l'année de ma naissance. Et mon père m'a amené sur les stades, que ce soit de foot, de rugby, sur des courses cyclistes quand j'étais très petit. Et il t'a filé le virus? Il m'a filé le virus. J'ai toujours voulu être journaliste plutôt dans le sport. Dans le sport en général, et puis j'ai jamais vraiment rêvé de pouvoir faire commentateur de rugby, parce que ça paraissait inaccessible. Mais enfin, au fond de moi, quand on était à l'école primaire ou au collège, et qu'il fallait faire des devoirs, des journaux, je m'occupais toujours de la partie sportive, j'avais ça dans le sang. Ouais. J'évoque en introduction le fait que tu aies fait beaucoup de sport mécanique, et également du football, mais le rugby... C'est pour toi... Quand tu es né à Bayonne, si tu veux, tu ne peux pas y échapper. Ouais, hein, la pelote. Oui, voilà. Mais la pelote a, disons, un retentissement international un peu plus faible. Mais je suis allé voir les matchs de l'Aviron Bayonnais, j'étais tout petit. J'ai toujours regardé les matchs à la télé, le tournoi, les finales, etc. Et quand j'ai commencé ma carrière de journaliste en presse écrite, etc., j'étais attiré vers le sport et vers le rugby. Et puis quand je suis arrivé à la télévision... La moindre occasion de travailler sur le rugby, j'ai essayé de la saisir, que ce soit au début de ma carrière quand j'étais à RFO, puis après à la 5, et puis à Canal évidemment, où là le rugby m'est un petit peu tombé dessus. Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois à l'échelle professionnelle, ton premier match que tu as commenté? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu as des images? Est-ce que tu as des sons? Est-ce que tu as un souvenir impérissable de ça? Oui, alors c'était pas tout à fait ma carrière professionnelle, mais c'était quand j'étais à l'école de journalisme de Lille. Il y avait eu un test match France-Roumanie à Lille. Le journaliste qui commentait le rugby pour France Inter, qui s'appelait Patrick Grivas, faisait aussi la Formule 1. Et le jour de ce match-là, il y avait de la Formule 1, donc il n'était pas là. Et France Inter s'est tourné vers l'école de journalisme de Lille pour trouver quelqu'un qui pourrait commenter ce match France-Roumanie à la radio. Donc c'est tombé sur moi. On avait gagné, c'était sympa, c'était ma première expérience de commentaire de rugby. Mais le plus drôle surtout, c'est que la journaliste qui était en studio à Paris, lorsqu'elle a appelé Eric Bale de Radio France Fréquence Nord à Lille,
et qu'elle m'a entendu avec mon accent qui était 10 fois pire qu'aujourd'hui, mon accent du sud-ouest, elle n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire dans le studio, parce qu'évidemment, un journaliste de Fréquence Nord avec mon accent du Pays Basque de l'époque, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Non, puis surtout, la Côte d'Ivoire, c'est pour ceux qui se rappellent de cette voix, une grosse voix qui occupait l'espace. Voilà, donc j'avais fait, ce n'était pas le commentaire de tout le match, j'avais fait des points réguliers, etc. Mais ça, apparemment... t'as un son de ça ? Non, pas du tout, non. En revanche, je me souviens du rire de la présentatrice. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus grosse bourde à l'antenne, si tu en as eu fait ? Personne ne peut dire qu'il n'en a pas fait. Mais grosse, je touche du bois. Non, ça va être. Il n'a pas eu, tu t'es fait oups ? Non. Mais non, après, comme tous les commentateurs, il y a des fois on a une hésitation sur le gars qui a marqué et laissé, éventuellement sur une règle. Mais deux trucs monstrueux ou. Ou je sais pas, où tu te trompes en disant 10 fois le nom de joueur qui n'est pas le bon. Tu dis pas Racing 93 quand il y a 13 non, points. Ou de dire essai marqué par un tel alors que tu le dis 10 fois, alors que c'est pas lui qui a marqué. D'accord. Bon, non. Pour l'instant, non. Je réfléchis en même temps, mais non. Est-ce qu'il y a un événement sportif, bien évidemment, qui t'a ému au point où tu as eu une émotion débordante qui aurait pu te faire pleurer de joie ou de tristesse, qui a dépassé le cadre finalement de l'aspect professionnel ou l'humain a dépassé le professionnel. On parle de pro là, hein. Ouais. On parle pas. Absolument. Parle je parle dans un cadre. Dans la je ne veux pas faire d'ingérence. Dans la jeunesse. Non, c'est pas le match où on m'aura le plus entendu, puisque la diffusion était confidentielle, c'était pour Canal+ Afrique, mais c'est évidemment la demi-finale France-Nouvelle-Zélande de Twickenham en 99, que j'ai commenté en intégralité avec Philippe Sella, pour nos abonnés en Afrique, et qui a été diffusée ensuite en grand format sur Canal, où on a pris un pied, comme tous les Français qui ont regardé ce match, parce que c'était pas attendu, parce que c'était magnifique. Parce que c'était là-bas. C'était à Twickenham, c'était un match qu'on avait paradoxalement pas trop préparé, parce qu'on faisait des matchs pour Canal, et que ce match-là, on avait fait l'autre demi-finale la veille. Voilà, on avait la compo d'équipe, on s'était régalé. Voilà. Puis c'était très fort, comme émotion. Et ça, tu gardes sur des moments comme ça, au-delà de tes souvenirs, tu conserves des images volontaires ? Non. 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 Tu n'es pas du tout dans la nostalgie de ce que tu as vécu ? Non. Non. D'accord. Gardé, parce que mon père m'avait enregistré tous les reportages que j'ai pu faire, notamment quand je couvrais le Paris-Dakar, des choses comme ça. C'est du reportage. Sur les matchs à commenter, je dois en avoir quelques-uns, mais je m'en occuperai plus tard. J'ai normalement une seule question dans cette première série en sus, mais je voudrais quand même, puisqu'on se connaît un petit peu sur les bords de terrain, et pour te voir à chaque fois, je le précise à ceux qui nous regardent, Eric est quelqu'un d'infiniment gentil, mais très discret. Et quand il arrive sur les bords de pelouse, il dit bonjour à tout le monde, ce qui montre aussi son éducation, mais très discret. Et il a une mallette. Une mallette, j'ai l'impression qu'il est médecin. Je ne t'ai jamais posé la question, donc c'est l'occasion. Qu'y a-t-il dans cette mallette ? C'est plus une petite sacoche qu'une mallette. Oui, hein. Il y a le nécessaire du travail, c'est-à-dire mon petit dossier avec... mes fiches, hein, qui est ici derrière sur mon bureau, là, en orange. Stylo. D'accord. L'ordinateur, non ? Pas du tout ? Non. D'accord. Je travaille à la main, moi. Lunettes de remplacement. Ah. Parce que si on casse les lunettes, qu'on prend un ballon dans la tête, ça m'est arrivé déjà une fois, il faut avoir des lunettes de secours. chargeur pour téléphone portable. Quelques médicaments de première nécessité, jamais la grippe nous assaille la veille d'un match. Voilà. D'accord. Pas de produits stupéfiants. Non, mais il peut y avoir quelques barres chocolatées. Dont on ne citera pas la marque, voilà. Parce que nous ne sommes pas sponsorisés. Une dernière question dans cette série avant que nous n'ayons, après ton sourire narquois, la réponse de cette question vache. Quel sportif te ferait ou t'a fait, à titre personnel, faire des kilomètres pour le voir jouer ? Tout sport confondu. Est-ce que vraiment il y a pour toi une icône ? Dans le milieu sportif. Comme tu as fait du foot, je le disais tout à l'heure, tu as fait également du sport mécanique. Moi, on dit toujours que les journalistes sportifs sont des sportifs refoulés, qu'ils ont voulu être champions, qu'ils ne sont pas arrivés. Bon, c'est vrai, d'ailleurs, pour beaucoup. Hein. Mais moi, je ne voulais pas être joueur de... Si. Je voulais pas être joueur de rugby, moi, je voulais gagner le Tour de France. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais petit, je veux gagner le Tour de France. Donc, ma première idole... C'est un peu tard, je suis désolé. Ouais, ça va être compliqué. Ma première idole, ça a été Luis Ocaña.
qui a gagné le Tour en 1973, qui habitait à Mont-de-Marsan, qui venait souvent à Bayonne parce qu'il avait un mécanicien pour préparer son vélo à Bayonne. Donc je l'ai approché. Bon, quand j'étais petit, j'avais 10 ans. Pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Et après, les sportifs que j'ai admirés, c'était des coureurs cyclistes. Mon époque de jeunesse sportive, c'était Bernard Hinault, qui écrasait le vélo à l'époque. Que tu as dû rencontrer plusieurs fois, je présume. Avec qui j'ai commenté, j'ai eu la chance de commenter. J'ai une photo avec lui dans mon bureau derrière. J'ai commenté les Jeux Olympiques de Barcelone avec Bernard Hinault. Et après, le rugby. Mais le rugby, il n'y a pas cette dimension de star dans le rugby. Les joueurs de rugby sont des gens proches. Tu aurais pu parler des Néo-Z qui ont quand même une notoriété. Quand moi j'ai admiré Blanco, admiré. C'est là, bien sûr, c'est là, Philippe, c'est là. Mais c'est des gens que j'ai pu côtoyer, approcher, qui n'étaient pas des mythes parce qu'ils étaient dans la région, ils parlaient avec le même accent que nous, on pouvait les croiser. Alors que Bernard Hinault, avant 1992, commenter avec lui, je l'avais jamais vraiment approché. Ouais, vous tutoyez même, je présume maintenant, non? Oui, là, malheureusement, je n'ai pas trop l'occasion de le voir depuis. Mais voilà, c'était un peu l'idole quand j'avais 20 ans que je rêvais de ressembler à un champion. Quoi. Tu es chef des sports ou directeur des sports? C'est quoi ton titre, effectivement? Moi, je suis, on va dire, rédacteur en chef, en charge du service rugby de Canal, qui est aujourd'hui riche d'une bonne vingtaine de journalistes. Beaucoup d'humilité dans les propos. Quand on est journaliste à la télé, tout le monde tout de suite vous dit que vous avez vite le melon. Alors il vaut mieux c'est être. C'est pas ton cas. Mais il vaut mieux être discret. On n'est pas là pour. Moi je peux certifier. Ouais, c'est pas ton cas. En revanche, je peux aussi dire que quand on parle de toi dans ce milieu-là, on dit que t'es quand même le boss. C'est pas désobligeant. En tout cas, je suis le boss de mon service avec grand plaisir. Mais après, voilà, on est. Moi j'ai été formé en presse écrite. Et le journaliste de presse écrite a par définition une humilité évidemment beaucoup plus forte que tous ses confrères de la presse audiovisuelle et notamment de la presse télé. Et moi je sais que le métier de journaliste, c'est pas que de sportif, c'est pas que de faire Toulouse contre Clermont ou l'équipe de France contre les All Blacks, c'est aussi d'aller le dimanche voir les petites séries, les petites équipes, que ce soit du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque ou d'Asparin. Il y a des gars qui font ça avec passion. Moi, j'ai commencé comme ça, et voilà, j'ai vraiment pas envie de dire qu'on dise de moi ou de mes confrères qu'on a le melon parce qu'on travaille à la télé, donc il faut faire attention. Éric Bell, dans Pressentiment, le temps de réfléchir, surtout de boire un verre d'eau, cela va sans dire, et une barre chocolatée, disait Éric tout à l'heure, et on se retrouve avec la question de Pressentiment, la question vache. Attention. Alors, Éric, la question vache est devant toi. Alors, c'est une question qui est vache, effectivement, mais qui, dans le milieu dont je la relis, en rugby, quel animal est représenté sur l'écusson argentin? Bon. J'en ai parlé même avec Roy Nimoff il y a encore pas longtemps, voilà. Pour qu'il me confirme bien. Tous les commentateurs de rugby sont censés savoir ça, mais ça fait toujours une anecdote à raconter quand on commente l'Argentine, en l'occurrence les Pumas. Voilà. Puisqu'effectivement, un journaliste... ça remonte apparemment au début de l'équipe d'Argentine de rugby. Donc ils ont mis cet animal sur le... Et donc on les appelait les Pumas, parce que le journaliste qui devait être américain a confondu cet animal. Et en fait, l'animal qui est sur l'écusson argentin, tout le monde le sait, c'est le jaguar, la panthère tachetée qui est spécifique à l'Amérique du Sud. J'ai l'impression que tu bois du petit lait, là. Non, c'est facile, c'est assez facile. Ça aurait été embêtant de ne pas le savoir. Mais c'est amusant comme anecdote. C'est pareil que les All Blacks, on ne sait et jamais... Pourquoi, alors justement, pourquoi justement ce journaliste disait pour moi... C'est... Parce qu'il s'est trompé. Parce que en Amérique... Non, c'est pas les mêmes animaux. En Amérique, le puma, c'est un animal un peu en couleur... J'adore les animaux, en plus. Un petit peu gris, uni, que l'on voit dans pas mal de westerns. Et le jaguar, en revanche, c'est une panthère tachetée qui vit dans l'Amazonie. Et donc, c'était... un jaguar, et le journaliste a cru que c'était un puma. On se retrouve dans quelques secondes à peine, avec ce rire moqueur, pour la deuxième série de questions dans Pressentiment d'Éric Bell. À tout de suite. Éric, deuxième série de questions. D'une manière générale, comment tu appréhendes aujourd'hui les réseaux sociaux, et est-ce que c'est toi qui gères tes propres comptes, si tu en as? T'as regardé au moins ou pas? Oui, écoute. Tu m'as trouvé? J'ai une question générique.
D'accord. Elle est pour toi aussi. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? J'ai pas envie. Ok. J'ai pas envie parce que je trouve que c'est extrêmement malsain, que les gens qui y vont déversent leur bile, et que les gens qui sont contents ne le manifestent pas, et qu'il y a pratiquement que les gens qui sont mécontents qui se manifestent. Alors comme nous on est exposés hein, en tant que commentateurs, quand on commente Toulon contre Clermont, il y a des Toulonnais qui ne vont pas être contents, et les Clermontois ne vont pas être contents. Donc ça veut dire qu'on a fait plutôt notre bon boulot, puisqu'on a été neutre, ouais. Mais j'ai pas envie de me prendre des tombereaux d'insultes tous les soirs de match. Donc, et est-ce que tu les suis, les voilà. Réseaux ? Ça m'arrive de suivre, parce que mais je suis pas les opinions, moi je suis les infos. D'accord. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, en revanche, c'est un formidable moyen d'être informé, l'actualité des clubs, l'agence France Presse pour les infos. Donc oui, ça, je jette un œil à ça, parce que c'est aujourd'hui un vecteur d'information important. En revanche, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ni sur Facebook, ni sur Twitter. J'utilise tout ça parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont abonnés à des comptes qui s'appellent Bail Eric. C'est pas la peine, c'est pas moi. Quel est, architecturellement parlant, le plus beau stade que tu aies vu au monde ? Wow, vaste question. On ne parle pas d'émotion, là. On parle d'architecture. Tu remarqueras que j'essaye d'avoir une sémantique en adéquation avec tes réflexions. Je ne suis pas terrible en architecture, moi. Alors, bon, il y a quand même des stades aujourd'hui dans le monde du rugby, et au-delà du rugby, puisque, encore une fois, ma question, elle est vaste, mais dans les souvenirs que tu en as, et c'est pour ça que je différencie entre l'émotion générée et le lieu. Par exemple, quand tu arrives au Millennium, est-ce que... Ouais, l'architecture du Millennium, elle n'est pas renversante, quoi. C'est un Stade de France avec couvert, quoi. Ouais. C'est beau, j'adore, hein. Mais l'Eden Park, L'Eden Park, c'est pas l'architecture de l'Eden Park, non, c'est un lieu, que, c'est alors, un lieu mythique. Les maisons derrière, tu trouves pas que ça... Enfin, je veux Non. À la rigueur, le stade qui me plaît le plus à voir à la télé, parce que j'ai pas eu la chance d'y aller, je pense que c'est le stade de Bath, en Angleterre, avec les vieilles pierres derrière. Okay. Mais après, l'architecture elle-même du stade. Alors, j'aime bien le stade de Bordeaux, avec cette espèce de Mikado, là. D'extérieur, là. Ouais. C'est assez joli d'aspect. Mais après... qui après, dit architecture... Moi, le stade de Pau, par exemple, moi, je... Oui. Enfin, pardon, on s'en fout, mon avis. Mais je trouve que, voilà, ça représente quelque chose d'assez esthétiquement joli. Ouais, bon, non, je ne suis pas sensible... Parfait. Moi, le stade, c'est déjà c'est l'intérieur, plus que l'extérieur, parce qu'on passe quand même plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais. Donc après, c'est des tribunes, des pelouses. J'aime la commodité, j'aime la proximité de la pelouse. Mais je ne suis pas renversé par l'architecture d'un stade. Très bien, tu en as le droit. En revanche, celle-ci, peut-être, te permettra d'évoquer le sujet d'une manière un peu plus large, et un peu plus exhaustive. Le stade en France ou à l'étranger où tu as vu la plus folle ambiance ? Celle où tu te dis « Waouh !» Oh ben là, parce que pour l'événement, je suis content d'être là. Il n'y a pas d'hésitation là, pour un amateur de rugby. Alors là aussi, tu peux aller au-delà du rugby, mais dans le rugby... Ah, y a c'est le stade de Limerick, le stade du Munster. Ah oui. Ah ben oui, là, il n'y a pas... À part les grands matchs de l'Aviron Bayonnais à Jean Daugé, où il y a une ambiance phénoménale, je n'ai pas rencontré d'autres ambiances similaires parce que le respect du public, l'atmosphère et le silence quand les buteurs s'apprêtent à taper, c'est ahurissant. Mais moi, j'ai eu l'occasion, quand on faisait la Coupe d'Europe, de faire plusieurs matchs à Limerick, et à chaque fois, et j'ai eu la chance d'y aller comme spectateur, pas pour travailler, au milieu du public, mais le respect de ces gens pour le jeu, l'adversaire, l'atmosphère, est pour moi, je ne vais pas dire unique au monde, parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres stades en Irlande qui soient comme ça, mais c'est absolument fantastique. Est-ce que tu connais le nom de ce stade ? Oui, forcément, oui. Enfin, c'est Thomond Park. D'accord. Le stade du Munster. Thomond Park. Il chante. D'accord. Et à la fois les chansons, Et le silence, je dis, si vous avez un jour envie d'aller voir un match de rugby dans une atmosphère particulière, allez au Munster. Et à Bayonne aussi. Tu parlais d'émotion par rapport au chant. Ce qui est bien, c'est que ça fait le lien avec l'antépénultième question, qui est la mienne. Quand retentit la Marseillaise dans un stade, quelle est ton attitude ? Alors, je parle dans un cadre professionnel encore. Est-ce que tu t'arrêtes pour chanter, est-ce que tu te lèves ou est-ce que tu es totalement accaparé par le travail qui le tient, qui fait que
tu n'es pas dans l'émotion des hymnes. Quand on travaille, on n'est pas dans l'émotion des hymnes. On pourrait être dans l'émotion des hymnes sur, sur une finale de Coupe du Monde. Et là, j'ai eu la chance dernièrement de faire quand même l'équipe de France en Nouvelle-Zélande. Quand vous êtes loin de chez vous, et que vous sentez que le match a un gros enjeu, que l'opposition est forte, voilà, oui. Là, c'est preneur. Mais après, on ne chante pas, puisqu'on a les micros ouverts, donc on ne va pas imposer, infliger. Et tu te lèves ou t'es... Oui, généralement, on se lève, bien sûr. On se lève, on regarde... Moi, je regarde les visages des joueurs. Pendant la Marseillaise, je vais regarder les visages des joueurs français pour voir si certains sont particulièrement émus. Et puis, c'est sur l'hymne de l'équipe adverse que je profite. D'accord. Et que là, comme on ne parle pas sur les hymnes, parfois, j'enlève le casque carrément. Et puis j'écoute les gens chanter. Côte d'Ivoire, New Zealand, c'est magnifique. C'est magnifique, mais aussi en Afrique du Sud, c'est très fort. Ouais. Ça, c'est un petit moment. Puis après, hop, on met le casque et puis on replonge. On parle beaucoup de la VAR dans le foot. Toi, ton regard, quel est-il sur la vidéo dans le rugby? Est-ce que c'est, pour toi, ça aurait dû exister depuis... Enfin, est-ce que c'est associé forcément au rugby? Mais d'abord, c'est l'arbitrage vidéo dans le rugby. Ça a permis au rugby de prendre un temps d'avance sur d'autres sports. Cela n'a pu se faire évidemment qu'avec le déploiement de moyens techniques par la télévision plus importants, donc c'est assez récent. Non, merci tous les diffuseurs. Bon, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà. Alors évidemment qu'on s'en plaint parfois, c'est long, parfois c'est pas bien exploité, l'arbitre vidéo peut se tromper, mais l'erreur est mince, ça fait plus de justice. Je ne comprends pas comment le foot a pu mettre autant de temps avec la simplicité de ses règles à s'y mettre. Et je trouve que c'est un gage de modernité très fort donné par le rugby. Et qui n'empêche pas par ailleurs les joueurs de continuer à respecter les arbitres. Merci d'abord Eric, vraiment, de ton invitation. Merci de nous accueillir chez toi, ça fait partie de ta maison. Merci de nous faire aimer le rugby aussi. C'est important de le dire parce que ça fait partie des choses qui font... probablement partie de ton métier, mais que tu ne... On fait un beau métier, on fait un très très beau métier, on a beaucoup de chance, à plus à Canal, on a des moyens formidables pour travailler sur le rugby, ça fait longtemps qu'on le fait, on a une équipe de gens... Vous avez une expertise, on est d'accord. Ouais, puis on a une équipe de gens passionnés, c'est un peu une la palissade, mais je pense qu'on a beaucoup de travail dans la semaine, mais le jour où on est à l'antenne, où on commente un match... c'est pas vraiment du travail. N'oubliez quoi. Pas le Seven. Alors on a fait beaucoup du Seven. Je préfère la promo du Seven. Pressentiment avec Eric Bail de Canal+. Merci Eric. J'espère que ce sera un bon pressentiment. Salut.